How are you doing? Welcome everybody to another class of Impastiamo. My name is Silvia and I started Impastiamo about 1 year ago now. I am originally a concert producer, a festival producer, and as COVID hit, decided to start this crazy adventure, which is called Impastiamo. And it's a platform for online cooking classes. We have chefs all over the world, connecting with people all over the world and sharing their recipes. And the reason why Impastiamo was born was really to support chefs who had lost their jobs or chefs whose restaurants closed, but also people who work behind the kitchen, from drivers, bartenders, anyone really in the food industry who's been hurt. And since then, we're really proud to say that we've hosted 140 cooking classes, and we've raised, I need to do the math again, but I think we're close to $16,000 for local chefs and a little bit over $14,000 for local nonprofits. So it's been a super successful year for us. We're really happy to make an impact in our community. And today I'm here with Julie and Michelle and Agnese. They all work with me and they're here to assist you. If you have any questions at all, you can unmute yourself and ask Chef directly. But happy birthday. Today we decided to host five different cooking classes with five different chefs all over the world, thanks to Caffè Vergnano. If you have a box, an ingredients kit box, you probably have their coffee, which is great. I'm not just saying it. The reason why I originally contacted Caffè Vergnano was because I personally love that coffee, and they're not what they are here, but it's true. So thanks to them, this class is free. However, we are appreciating any donations are going to support Save Bees and Farmers. And Save Bees and Farmers is a European initiative that's trying to protect the bees and pass a law within the European government. They need to reach 1 million signatures, and I think they're at about 500,000. So we're so close, we're halfway. So if you want to sign, if you want to support them, it would really mean a lot to them, and it means a lot to us and the planet. But today we decided to host this cooking classes thinking that we can all have a little impact in our kitchen. We think that climate crisis is such a huge topic, there's nothing we can do, but we really do believe that you can do something in your own kitchen, you can do something every day, and we're gonna start tonight making an impact with Chef Bruno. So right before we start with Chef Bruno, with I'm super excited to have here, Michelin star, green Michelin star. I mean, we're super honored to be in his kitchen. We're gonna show a really quick video about Save Bees and Farmers and see what is it that they're working on and what is it that they're doing. So Agnese, if you can share that, let me know. Let's take it away or I'll share it. Should I? Zoom, everybody. Okay. It looks like more and more wild bees, butterflies, insect species, birds, and other animals disappear from our landscapes. But without bees and fertile soils, our nutrition is in danger. Hundreds of European organizations from science, environmental and consumer protection, agriculture, forestry, beekeeping and animal welfare, as part of the European Citizens Initiative Save Bees and Farmers, demand that the EU Commission introduces the necessary legal framework and sufficient economic incentives for the transition to a truly sustainable agriculture. By supporting the European Citizens Initiative, Save Bees and Farmers, you can contribute to this. If we can get 1 million signatures, the EU must react to our demands. Sign now at www.savebeesandfarmers.eu. Okay, so we got an idea. So thank you anyone who can go to the site and sign or donate. Thank you so much. But you don't want to see me anymore. You want to see Bruno. So here we go, live from Paris. Bruno Vergius, how are you? And welcome to Impastiamo. Welcome, I'm good. I'm very happy having you in Paris in my small apartment for this special day.
And I'm very happy to share some of my philosophy. As you know, that philosophy for me is the first principle of my recipes and the way I cook. I'm very a deep partner of my artisan, that they provide me some green things or fishes or whatever, and I'm very aware not only on the quality but on the way that everything is done. Or peeled or whatever, or catch or whatever, we have very, very close relationship with these people, and we always taking care of not wasting anything. This is the common rules in a restaurant. You don't waste, as when you're home with a family, you manage that you use everything that you get from the planet to feed your people, and not doing a large waste. And this is the same rule in a restaurant, but more than that, we have the ability to create recipes that shows everybody that we can use any parts of a fish. For example, this is not the case today, but we can have shown how to use the scale, the bones, even the inside, the intestine, the liver, everything of a fish, if you have the knowledge, and you can catch very interesting taste and texture. And it's obviously same for, and maybe more easier to understand for veggies. And so today we're gonna work on a leek, but we will do a leek as a, let's say like a symbol. In France, when you have you're taking care of the planet, or taking care of the, all the veggies and all the things around in this field, the reward you can get is a green decoration, like the Légion d'honneur, which is red, but this is green, and we call it le poireau. That means the leek. So we're gonna use today the poireau as a real symbol to explain with a proper recipe how you can imagine and create recipes with other vegetables. Awesome. Okay, thank you, Bruno. And I think everyone here is French, right? So I think we're gonna switch to French because we don't need to speak English if we don't need to. And if you have any questions, unmute yourself, ask Bruno, and he's going to be right there for you. So take it away. What are we making? Okay, so bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, on va peut-être faire la revue ensemble de ce que vous avez reçu, ce que je vous ai adressé aujourd'hui, pour qu'on soit sûr. On va commencer évidemment par le poireau. Voilà, j'espère que vous avez reçu les poireaux, logiquement quatre pièces. Puisqu'on parle des poireaux, je vais... alors, évidemment, dans la recette, on va tout utiliser. On va utiliser ce qu'on appelle les radicelles. On va utiliser, évidemment, le tronc du poireau. Et puis, on va utiliser aussi les feuilles vertes. Donc, on ne va rien jeter de ce poireau. En revanche, ce que je vous propose d'ores et déjà, si vous avez remarqué, c'est la journée de la terre. Et pour le poireau, c'est la journée de la terre tous les jours. Il a pas mal de terre au niveau des radicelles, et donc je vous propose de les faire comme moi, vous allez voir, vous voyez, de les mettre dans votre évier avec un petit peu d'eau, comme ça, pendant qu'on va discuter, et passer en revue les différents éléments pour faire la recette, et donc comme ça, il va pouvoir petit à petit libérer la terre et se nettoyer. Vous avez dû recevoir aussi, j'ai préparé... une petite vinaigrette, on en parlera. Je vous ai proposé aussi un peu de sel, on en parlera aussi, parce que c'est un sel assez extraordinaire. Vous avez reçu des œufs, moi j'en ai deux. Et puis, vous avez reçu aussi dans un sachet des petites plantes, des fleurs de roquette, des fleurs de lierre terrestre et un peu d'ail des ours. Alors, ce n'est pas anodin, je les ai ramassées ce matin, dans mon jardin, c'est-à-dire devant le restaurant Table, il y a un espace comme ça urbain qui s'appelle Brocélian, dans lequel il y a plus de 200 variétés autochtones, sauvages. Et donc, on a un peu d'ail des ours qui a poussé, de la roquette et un peu de lierre terrestre. Donc, je vous en ai fait profiter. C'est très goûteux, c'est formidable. On a fait ce travail aussi. Je pose cette caméra-là. On a fait ce travail aussi de façon.
à montrer qu'on peut, dans un cadre urbain, créer une végétation qui soit totalement autonome. Donc le jardin qu'on a appelé Brocéliande, c'est à peu près 20 mètres de jardinière sur 80 cm de large et 70 cm de profondeur, dans lequel on trouve un peu à l'horizon de forêt des arbres, des arbustes et beaucoup de plantes sauvages. Et puis, un gros travail fait sur la mycorhize, c'est-à-dire sur les champignons, qui permet, avec des tunnels entre chaque jardinière, pour que les mycorhizes puissent communiquer. Hein, vous savez, c'est comme un petit réseau Internet, hein, ce qui nous permet de nous voir aujourd'hui. Et donc, du coup, ça crée un effet extrêmement dynamique auprès des plantes qui sont à l'intérieur, qui du coup ont une capacité à intégrer complètement tous les polluants de la ville, les métaux lourds, les hydrocarbures et évidemment le CO2, restituer de l'oxygène et surtout avoir une dynamique cellulaire qui fait que rien n'est conservé dans le foliaire ou dans les fleurs, donc tout est parfaitement comestible. Et on a mis aussi une plante qui sont des poires de terre. Et la poire de terre, elle a cette capacité à prendre à peu près 17 fois son volume originel en fonction des précipitations pluviales. Et donc, quand il pleut, du coup, elles se gonflent et après, elles vont restituer lentement l'eau à l'intérieur de ce jardin. Et ce qui fait que ce jardin est complètement, sauf en cas d'extrême sécheresse, évidemment, mais sinon, ce jardin est complètement autonome. On ne fait rien et il produit tout seul. Évidemment, toutes ces plantes-là aussi deviennent en partie de l'engrais vert. Et donc, il est totalement sustainable et il se remet en place régulièrement. Et nous, on est évidemment extrêmement heureux, ainsi que le voisinage, de pouvoir aller cueillir un petit peu comme ça dans le jardin. Voilà. Donc, on a fait le tour un peu des choses. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est essentiellement une recette. C'est un poireau vinaigrette, on va dire, un peu amélioré, mais extrêmement simple. Alors, je suis désolé, je parle en longueur parce que je ne sais pas si on peut avoir des questions en même temps ou pas. Si vous pouvez me parler ou. Je n'ai pas de son, donc je ne sais pas. Bonjour, oui, on peut vous poser des questions. Ah, vous pouvez me parler, génial. On vous écoute attentivement. Non, mais j'ai l'impression de me parler à moi-même, donc c'est un peu. Non, vous n'êtes pas seul. J'ai un ego extrêmement développé, mais là, ça finit par me gêner au bout d'un moment. Bon, voilà, bon, ben génial. Donc, ben, je ne sais pas, vous avez eu le temps de mettre le petit poireau dans l'eau comme ça à tremper? Oui, c'est bon. On est tranquille. Ce qu'on va faire aussi peut-être, c'est que l'on va, on va mettre notre four en marche. Alors moi j'ai pas. On va le mettre sur les deux grilles comme ça. Et puis moi je vais le régler sur à peu près, vous voyez, sur 160, 180 degrés, je pense, quelque chose comme ça. Et voilà, il est en marche. On va peut-être déjà aussi, pour gagner du temps, on va faire chauffer l'eau. Donc moi, je fais une casserole d'eau. Mettez un bon volume d'eau. Voilà. Le matériel, hein, c'était juste une casserole et une poêle. Okay. Voilà. On va faire chauffer la poêle aussi doucement. Vous voyez, là, je me mets sur 4. Moi, là, je suis vraiment dans une cuisine tout à fait amateur. Hein. Donc, vous angoissez pas. Voilà, on va faire chauffer de l'eau, comme ça, on n'est pas en retard. J'ai mis une poêle au feu. Donc l'idée, c'est qu'on va faire, nos poireaux vont être bien, les miens, je les avais un peu préparés, mais bon, on va attendre peut-être un petit peu. Mes poireaux, donc on va couper les radicelles. Donc on peut utiliser un couteau ou alors utiliser des ciseaux si vous en avez. On a commencé à tout faire chauffer. Donc, vous voyez, voilà, là, je mets mes petites radicelles. Et puis, voilà, avec un couteau, je les coupe pas trop, trop près du poireau. Il y en a assez, voilà. On va les couper là, comme ça. Je fais ça avec une main. Hein, c'est un peu dur. Voilà, j'ai raccourci mes radicelles de poireau. On n'en a pas besoin d'énormément. Je ne sais pas si vous faites déjà la recette pour tout le monde, mais... Vous avez,
Bon, vous voyez, là, j'ai largement de quoi faire, à la limite, même au moins deux poireaux avec les radicelles d'un seul, deux ou trois poireaux avec les radicelles d'un seul poireau. Hein. D'accord? Donc, c'est. On va les faire croustiller dans l'huile d'olive. Donc là, le temps qu'on se parle, je les mets sur un petit linge pour qu'ils sèchent un petit peu, parce que ce n'est pas la peine qu'ils soient humides. Et puis de la même façon, avec notre poireau, on va couper le verre. Donc le verre du poireau, vous voyez, on va suivre, on a le tronçon, le tronçon du poireau. Vous voyez, là, on est à la limite, en fait, entre le tronçon et le début du verre. Moi, j'aime bien laisser un petit peu de verre quand même sur le poireau. Donc voilà, je vais couper à peu près ici. Donc, vous voyez, je vous montre là. Voilà notre poireau. Je vais finir de le raccourcir. Hein, le poireau, maintenant, il est préparé comme un poireau normal. Le tronçon de notre poireau. Et on a coupé une partie du verre. Et ça, c'est donc le poireau que l'on va... qu'on va utiliser tout à l'heure. Ça va? Oui. Tout le monde est en place. Les petites feuilles vertes du poireau, voilà, on va les dégager un petit peu. Et puis, notre four a commencé à chauffer. Ouais, je les prends dans la main. Et donc, je vais aller les mettre. Voilà, je les mets telles quelles sur la plaque du four. Vous voyez, comme ça, pour qu'elles sèchent. Je n'ai pas mis la ventilation. Je vais peut-être booster un peu la chaleur. En fait, je ne sais pas trop le temps que ça va prendre. Mais l'idée, c'est de le sécher, de le torréfier un petit peu. Voilà, je referme et je pense qu'en 15 minutes, ça devrait venir. Je vous laisse avancer sur vos poireaux et puis après, on va se retrouver avec le tronçon. Dans le four, c'est juste pour la partie verte, c'est ça? Oui, c'est juste la partie verte du poireau que j'ai éliminée. Donc, je vous le remontre. Vous voyez, c'est cette partie-là. Hein. J'ai coupé à peu près cette partie-là, d'accord? Okay. Merci. C'est la partie un peu sèche que d'habitude on n'utilise pas vraiment. Je vous laisse avancer là-dessus. Et quand vous êtes, parce que je ne sais pas combien, moi j'ai fait un seul poireau, je ne sais pas combien vous en faites. Ça vous prend sans doute un peu plus de temps. On a le temps, je crois, on est bien. On les nettoie pas les verres de poireaux, parce que je vois qu'il y a un peu de terre dessus. Vous pouvez les rincer, oui, bien sûr. Okay. S'il y a un peu de terre, vous les rincez, vous les séchez. Merci. Ça va, tout le monde est en place? Je vois que ça s'affaire sérieusement. Hein. Alors du coup, je peux en profiter, vous faire quelques commentaires, vous dire, vous voyez, on peut imaginer, je disais tout à l'heure que le poireau était finalement un symbole, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer aussi, quand on a en ce moment des très jolies betteraves, c'est formidable, par exemple, plutôt que de jeter la racine de la betterave, de la mixer avec un petit peu d'eau et de la mélanger ensuite avec une huile et un vinaigre, ce qui vous fera une vinaigrette extrêmement jolie. De cuire votre betterave dans du sel ou la cuire au four, et puis soit de toaster un petit peu les feuilles, soit au contraire de simplement les pocher et de les travailler comme une salade et de faire une espèce de betterave complète. Et je pense que ce mode de pensée, ça peut s'appliquer à énormément de légumes dans lesquels on utilise tout. Par exemple, quand on va avoir les petits pois, et évidemment, quand les petits pois sont de grande qualité, on utilise le petit pois, mais aussi l'écosse des petits pois, parce que ça fait des soupes formidables. Et je pense que c'est une façon de penser aussi un peu le légume,
autrement. Il y a une chose que j'adore faire aussi, j'ai d'ailleurs failli vous la proposer ici, c'est que quand on utilise des légumes, souvent il reste des épluchures. Si on épluche les carottes, quand elles ne sont pas des très jeunes carottes, ou justement un peu les racines de betteraves, les peaux d'oignons, les peaux d'échalotes, les tiges d'ail ou d'ail nouveau, etc. Et moi, j'aime beaucoup travailler ça comme un jus de viande, mais uniquement avec des légumes. Donc, en fait, on les fait retirer toutes ces pluches, tout ce qu'on jette, en fait, en les ayant évidemment nettoyées, lavées avant. On les fait retirer comme ça dans un fond d'huile d'olive, comme une garniture, comme on ferait pour faire un jus de volaille avec des ailerons et puis une petite garniture. Et puis ensuite, on va mouiller, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on s'est bien coloré, bien rôti. On va rajouter de l'eau, on va faire cuire, on va filtrer, et puis ensuite on va faire réduire complètement jusqu'à avoir une consistance un peu sirupeuse. Et puis on peut l'utiliser de deux façons. L'été, j'aime beaucoup l'utiliser justement comme une base dans une vinaigrette, donc la remélanger avec un peu de vinaigre et d'huile d'olive. Et puis l'hiver, ça peut accompagner aussi des choses différentes, notamment la truffe, ça marche très bien avec, et l'utiliser cette fois en l'utilisant comme un jus avec un petit peu de beurre ou un peu plus enrichi à l'huile d'olive. Donc voilà, donc on peut toujours penser de cette façon-là, et je crois que c'est intéressant. Tout le monde est bon sur les poireaux, on est bien, on est parfait. D'accord. Alors on va passer maintenant, je vais le faire là devant vous, à tailler notre poireau. Donc grosso modo, vous allez mettre à peu près l'équivalent de 3 doigts pour tenir votre poireau. D'accord. Et puis on va insérer le couteau comme ça, et puis on va descendre, voilà, et on va le tourner, donc on va faire le tourner d'un quart, voilà, et puis on va finir par, voilà, tranquillement, on les filoche, tout doucement, voilà, on obtient un peu comme une petite queue de cheval. Alors on peut... Voilà, on y va vraiment, vraiment tranquille, de façon à ne pas en perdre. On tient bien le haut du poireau, hein, de façon à ce qu'il ne glisse pas trop. D'accord. Donc là, vous voyez, hein, j'ai entièrement effiloché le poireau. Et là, évidemment, le poireau, il a sûrement un peu de terre, donc on va le laver. On va, en attendant d'avancer, pareil, je vais le mettre dans l'eau et le laisser se laver tranquillement. Bon, c'est pareil, c'est pas la peine d'utiliser trop d'eau, hein. Un petit peu d'eau dans le fond de l'évier, ça va suffire par gravité. Ce qu'il y a de terre va couler. Ensuite, on va cuire hein, notre poireau, donc on n'est pas très, très embêté. Voilà, je vous laisse faire vos poireaux, et puis vous me dites quand vous êtes prêts. Je sais pas si vous avez l'eau qui bout, on peut aussi mener des tâches en parallèle. Donc moi, je vais prendre mes œufs, d'accord. Et puis on va les mettre dans l'eau bouillante. Évidemment pour Du coup, c'est 2 œufs, c'est ça? Alors, c'est 1 œuf par personne. Ok, ok. Voilà. Donc, moi, je vous en ai mis... Combien de temps? Alors, on va faire des œufs mollets. Donc, c'est à eau frémissante. Vous voyez, je l'avais baissé. Là, voilà, je la remets frémissante. Et un œuf mollet, c'est 5 minutes 30. Donc, pour moi, il est 32. Donc, à 37,5, mes œufs seront parfaitement cuits. Œufs mollets, 5 minutes 30.
Si vous avez un four vapeur, c'est 5 minutes. Bon, là, je ne peux pas mettre le timer exact de mon téléphone puisque je suis sur autre chose, mais bon, on va dire grosso modo, ça devrait bien se passer. Regardez, je vous montre pendant ce temps-là dans le four ce qui se passe. C'est intéressant, je ne sais pas où vous en êtes. Vous voyez, ils sont en train de commencer à toaster un petit peu. Je ne sais pas, mais mes verres de poireaux, vous les voyez, hein, c'est un petit peu toasté. D'accord, voilà. Donc, ils sont en train de sécher tranquillement. On ne s'en inquiète pas, on a lancé nos œufs. Et vous, vous continuez à sculpter vos poireaux. Des questions? Non, c'est clair. On essaie d'être clair. Maintenant que j'ai mis mes œufs, je vais ajouter un petit peu de sel dans l'eau des œufs. D'accord, voyez. Et on gardera l'eau pour cuire le poireau, hein, on ne va pas jeter. D'accord, bon, j'ai mis 10 grammes de sel, quoi. Hein. C'est un sel formidable que je vous ai mis. C'est un sel d'une saline en France qui s'appelle les salines de Millac. Et les salines de Millac, donc, c'est une saline qui est à côté de Bourgneuf, donc en face de l'Île-Dieu. C'est une saline d'un seul tenant de 11 hectares au milieu d'un grand parc naturel de 180 hectares. Et ils font un sel, vous verrez, formidable parce qu'il est, presque épicé. Il est vraiment intéressant. Je regarde mes œufs. Ça va, tout va bien? Ça va. Vous avez pu lancer vos œufs mollets aussi? Oui. D'accord. Travailler les poireaux. Bon, après, ça va aller très vite. Hein. On aura les radicelles à frire. Vous surveillez bien le verre de poireau. Hein, parce qu'il ne faut pas le brûler. Hein. Moi, je suis... Attention de ne pas vous brûler vous-même, d'ailleurs. Voilà, j'en ai qui sèchent bien, d'autres qui sèchent un peu moins. Je les retourne. En fait, pas comme moi. Moi, je suis chef, j'ai les mains chaudes, hein, mais vous ne brûlez pas. Voilà, on est à 35 sur les œufs. Vous voyez là, le rythme, hein, c'est frémissant, hein, d'accord. On voit là un petit frémissement, hein, d'accord. On n'est pas à gros bouillon de façon à ne pas les casser. Ensuite, on va les sortir avec une cuillère et puis on les mettra dans l'eau des poireaux qui sont en train de dégorger, hein, qui est un peu fraîche, de façon à les refroidir, à les tiédir. Hein, on jette. En même temps, on fait attention, hein, on ne jette pas d'eau. On essaie de travailler finalement avec ce que l'on a. Là, mon poireau, il est bien. Et c'est joli, hein, ça fait vraiment... vraiment des jolies transparences, jolies gradations des poireaux. C'est les poireaux qui viennent d'un petit maraîcher qui a Carrières-sur-Seine, hein, c'est juste à côté de Paris. Bon, je vais faire quelque chose. Encore une fois, je ne connais pas ce four, c'est chez moi, mais je n'y suis pas longtemps. Je le coupe. Hein, j'arrête le four parce que Vous voyez, ça commence à être très torréfié d'un seul coup. Donc, je pense que, voilà, c'est pas la peine de... J'en ai deux, là, qui sont très bien torréfiés. Je vais laisser les autres tranquillement terminer. Et on va pas aller plus loin. Voilà, je suis à 37. Donc... Je vais sortir mes œufs, je vais les mettre dans l'eau.
joli, hein, on dirait. Oui, il y a un côté, même le bruit, hein, ça fait, c'est comme un papier. Hein. Alors, cette idée, en fait, de torréfier comme ça des plantes, mais venue il y a très très longtemps. J'avais une lecture et on parlait des Indiens Yanomami en Amazonie. Et il y avait une étude qui était faite en disant c'est des personnes qui ont la tension artérielle la plus basse au monde. Et en fait, on sait pourquoi, parce qu'ils ne mangent jamais de sel. Et en fait, c'était quand même une idée un peu étrange, dans le sens où si on ne mange pas de sel, on meurt, pour des raisons de rapport osmotique, en fait. Et donc, en fait, on s'est rendu compte après que, bien sûr, ils ne mangeaient pas de sel de mer parce qu'ils n'en avaient pas, mais qu'ils récupéraient un certain nombre de plantes qui étaient très, très chargées en sels minéraux, mais autres que chlorure de sodium, qu'ils les calcinaient et qu'ensuite, ils les lavaient avec l'eau de la rivière et ils ont récupéré une forme de sel qui venait vraiment, vraiment évidemment, les nourrir en sel. Et donc, je me suis dit que c'était très intéressant aussi pour nous de récupérer en fait tous les sels minéraux qu'on pouvait avoir dans les plantes. Et donc, c'est une idée aussi, hein, quand vous avez... excusez-moi, je suis embêté, j'ai plein d'appels. Quand vous avez, vous aussi, pas mal de choses vertes, donc vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez tranquillement les torréfier et les mélanger avec un tout petit peu de sel marin, et ça vous fait un sel... assez parfumé. On en est où? On peut continuer un petit peu ou pas? Dites-moi. Oui. Moi, c'est bon. C'est bon, les œufs, c'est cuit. Les œufs, c'est cuit, c'est dans l'eau, c'est en train de rafraîchir tranquillement. Ouais. Bon, bah, on va remettre un peu de... Je vais remettre un peu de jus sous ma casserole. Vous voyez où j'ai enlevé les œufs, là? Et puis, on va cuire le poireau. Tranquillement, bah voilà, on le plonge, hein, on cuit un poireau, c'est pas très compliqué, vous voyez, voilà, petit poireau qui est bien tranquille là. Alors combien de temps, ça dépend du poireau, bah, on le transpercera avec un couteau pour voir un peu ce qu'il nous dit. Mon poireau, parce que je crois que pendant tout ça, il a bien avancé mon poireau, donc je vais l'arrêter. Regardez, je le mets là. Ouais, il est très cuit, il est parfait. Donc, je vais le sortir très délicatement. Et je vais le mettre dans l'eau froide, à nouveau la même, d'accord? Voilà, et là, j'ai éteint tous mes gaz, parce que, enfin, en fait, mes plaques, parce que je n'ai plus besoin de... Je n'ai plus besoin de chaleur, donc on retrouve dans la même petite eau que tout à l'heure mon poireau, que je rafraîchis un petit peu, d'accord. Mes petits œufs, enfin j'en aurais besoin de 15, j'en ai fait 2. Cette aventure, j'en avais un qui n'était pas très bien, et puis je vais venir dresser, là, moi j'ai trouvé une belle assiette, vous voyez, verte comme un poireau. Elle est belle, hein. Ouais. Voilà, j'ai donc la petite vinaigrette que je vous raconterai. Je vais mettre là à côté pour le dressage. J'ai mes petites plantes que je vais mettre aussi à côté. Hein, je fais une petite mise en place. Nous avons ici, voilà, je vais utiliser la petite soucoupe de notre ami du café. Et donc, voilà, j'ai mon poireau grillé que j'écrase avec les mains, tout simplement. J'obtiens donc une vraie cendre de poireau. Et je vais rajouter vraiment 3 grains de sel. Très, très peu, parce que je n'ai pas envie non plus d'être trop salé. Ah, ça sent bon, ça sent le café, justement. Hein. C'est vraiment le torréfié, là, est fantastique. On va en mettre très peu, hein, parce qu'on ne souhaite pas, évidemment, aller chercher de l'amertume. Voilà. Est-ce qu'on peut passer le four en mode grill? Parce que, par exemple, moi, mon poireau, il n'est pas du tout torréfié. Hein. Il est très vert. Montez la température. Okay. Il n'y a pas de souci. Ça va? Ça, c'est un peu vert, mais c'est un... Enfin, ça, ah, si c'est... Mais toi, ça va, moi, il y a de l'eau dedans.
Si c'est un peu vert et sec, ça va. Si tout n'est pas torréfié, vous prenez juste ce qui est torréfié, puis vous continuerez à faire torréfier le reste. Ouais, mais le grill, Lucille. Il n'a pas envie de cuire. Je vais caler un œuf. Je ne vais pas vous montrer comment on écale un œuf, je pense. Ça va. Allez. Ça va, d'accord. Oui. Alors, j'arrive. Vous me dites où vous en êtes, si je peux dresser. Allez-y. Moi, je sens juste les poireaux et je vous regarde. Tranquille. Moi, j'ai de la chance. Regardez, j'ai réussi à faire un œuf très beau. Ah ouais, le mien, il n'est pas aussi beau. Alors, en fait, le secret, donc, c'est de bien saler l'eau. D'accord. Et puis après, idéalement, il faudrait le mettre dans une eau très froide avec quelques glaçons. Ouais, là, c'est passé. Mais on peut rajouter. Et du coup, le fait de le frapper en le mettant très chaud alors qu'il était dans l'eau salée, il va rétracter un tout petit peu, il est plus facile. Mais bon, ça dépend des œufs. Pourtant, on a tous les mêmes. Mais ça se trouve, si j'avais fait l'autre, j'ai de la chance. Parce que si j'avais fait l'autre, il aurait pas été génial. Donc, ça n'a rien à voir avec le skill. Je vais vous montrer devant l'écran de l'ordinateur si on peut muter comment on va tresser notre poireau. Bon, je vous rassure, je ne vous donne pas un cours de coiffure. Donc, donc voilà, si je peux me retrouver. Maintenant, je suis à nouveau noir, moi, c'est ça, on ne me voit pas ? Ouais. Si, on voit l'ordinateur. Oui, voilà, la caméra de l'ordinateur. Vous ne me voyez pas là, vous avez juste avec ma caméra de. Ouais, c'est très bizarre. Alors, tout à l'heure, je l'avais. Ok, alors l'idée, si vous voulez, c'est on va le tenir dans la main comme ça, en le serrant, voyez, et puis là je vais le tourner tout simplement. Je vous le fais, voyez, je le tourne. Là, je suis en train de mettre de l'eau partout, donc je vais mettre une éponge parce que je vais inonder mon ordinateur. Voilà, je le tresse. En fait, je le torsade pour être tout à fait correct. Ce qui me permet de goûter un peu aussi, vous voyez, un petit peu le laisser. Et là, je vais le mettre dans mon assiette. Hop. Vous voyez, je vais torsader et je vais le mettre un peu comme un petit nid, vous voyez, avec cette partie-là blanche en dessous. Et puis là, on a la petite torsade comme ça qui vient, vous voyez ? Oui. C'est clair ? C'est clair. Oui, bon. Alors, je me rincer les mains. Mais moi, il est énorme à côté. Moi, c'est pareil. C'est un gros nid. Ah oui, c'est ça. Vous en êtes où ? Bah, il est gros quand même, hein. C'est copieux. C'est copieux. Bon, c'est du vert. C'est une belle entrée, hein. C'est un légume, vert. Oui. Ça se mange. Il est cuit ? Ouais. Ah ouais. Bah, il est magnifique. Oui, c'est un beau poireau. Ouais. Alors, regardez, donc maintenant, je vous laisse le mettre en assiette, hein. Vous l'avez... Ça, en le torsadant, ça vous permet évidemment de le... comment dire, de d'enlever un petit peu l'eau. Ah oui, ben ça va faire un grenier aussi. Hein.
Oh, quand vous en aurez torsadé 3000, après, ça se fait tout seul. Ok, j'ai... Bah, c'est génial. Place dans mon assiette. Bah, c'est super joli, attendez, c'est vachement bien. C'est bon, Lucien, c'est tes assiettes. Mais oui, c'est le concours d'assiettes. Bon, quand vous l'avez torsadé, on va mettre un peu maintenant du petit poireau grillé, vous vous souvenez? Alors, attendez, voilà. Est-il grillé? Il est grillé? Non, Lulu, celui dans la poêle. Ah, pas celui du fou, de la non, poêle. Celui de la poêle, les radicelles, les petites racines. Ça, c'est de bon. Poireau. Ça va? Donc, vous voyez, j'en ai posé un peu, c'est vraiment un nid d'oiseau. Tu sais, les oiseaux, ouais. Ils ont le nid, puis ils mettent toujours des espèces de petits trucs tout autour, comme ça. Ouais, ça fait vraiment la même chose. Hein? Et pas oublié. Ça a l'air trop bon, ça. J'aurais jamais pensé à faire ça. Non, mais pareil. Et puis maintenant, regardez ce qu'on fait. Ben, c'est vraiment simple. Hein. On va poser notre œuf. Voilà, on a l'œuf dans le nid. C'est le printemps quand même, je vous rappelle. Hein. OK. On et puis maintenant, alors attendez, je pose deux secondes. J'ouvre ma petite, j'agite un peu ma petite vinaigrette. Voilà. Et donc là, ben, je vais prendre un peu de ma vinaigrette. Pas facile à faire du demain, mais bon, vous avez compris. Il faut que je le fasse autrement parce que sinon je vais pas. Voilà. Et puis bah, on verse la vinaigrette généreusement sur le poireau. Hein, jusque-là, il n'y a rien de. Hein, c'est un poireau vinaigrette, donc on verse notre petite vinaigrette. Donc moi, je vous en ai préparé une, mais libre à vous d'en faire une chez vous. J'ai mis un tout petit fond de soja ponzu. J'ai mis un joli vinaigre de Pedro Jiménez. J'ai mis une huile assez intéressante, qui est une huile de chardon, qui s'appelle l'huile de cartam, qui a un beau umami et qui pousse beaucoup les arômes, et puis il y a une belle huile d'olive de mon ami Profil Grec. Voilà. Cool. D'accord. Mais je trouvais que c'était sympa de vous proposer la petite vinaigrette de table, sachant que chez vous, vous faites évidemment la vinaigrette que vous voulez. OK. Moi, j'ai ma cendre de poireau avec un peu de sel. Et donc, regardez, je vais venir juste en mettre un tout petit peu comme ça sur l'œuf. Vous voyez ? Voilà. C'est vraiment joli. Mais il faut. Et puis, on a... Ce n'est pas une coupure de zoom, hein, c'est une interruption d'image momentanée pour le temps que je sorte mes petites plantes. Voilà, et puis donc là, bah encore une fois, hein, c'est le printemps, donc on va en profiter. On met quelques petites fleurs, alors qui n'ont pas objet décoratif. Hein. Vous allez voir, la roquette, elle pulse. C'est vraiment c'est un petit jardin merveilleux. Je vais prendre, lacérer l'ail des ours, les feuilles d'ail des ours. Oh, Bruno, we can't hear you. C'est une catastrophe. Là, vous m'avez. Ah oui. Vous me voyez ou pas? Non, you don't see me. We hear you now. J'ai l'impression que c'est toujours pas assez torréfié. Bah, tu vas t'en passer. Hein. Non, j'en ai deux qui sont bons, ça sera ceux-là. Voilà, bah, je pense que ça suffit de toute façon. Ouais. Parce que le reste est très très vert. Fini quand c'est l'heure ou... No. Bruno, we can't hear you.
Il est... Ah. You seem to be muted. Well, it doesn't look like his. I think it'll be all right. But I think he's disappeared. Well, he's still there, but nobody can hear him. So I think, are we going to come in, Tweet? Technical difficulties. Oui, c'est tout le temps. Oui. Merci beaucoup, mais je prends de manger ouais, mon petit... Ah, bien sûr. Bon appétit. Ouais, merci. Bruno, I'm so sorry, we're not hearing you. It looks like you're not connected to the audio. Do you want to leave and come back? C'était arrêté à l'ail des ours. C'est lequel l'ail des ours d'ailleurs? C'est celui, le violet. C'est ça là. Ah, donc c'est ça. Ouais. I'm back. Ah, yay. I'm back. Oh my god. Welcome. I'm sorry. We lost Sarah during the transition. So you see now, I put some... No, ce que je voulais vous dire, c'était... Vous avez une feuille d'ail des ours, vous voyez là, comme ça. On en met très. C'est ça, l'ail des ours. C'est vraiment de l'ail, quoi. Donc c'est un peu puissant. Donc là, vous en avez pour faire plein de choses. On fait quoi ? On le découpe ? On le déchire ? Oui, vous déchirez un tout petit peu. Et voilà. Alors attendez, vinaigrette d'abord. On a après l'œuf, la vinaigrette. Et ensuite... Oui, vinaigrette sur le poireau, sur le. Voilà. Ah oui, voilà. OK. Oh, that's beautiful. Oh, ça, c'est bon. Bon, j'ai dressé qu'une assiette, mais je ferai la suivante ensuite. Hein. Ouais, tranquille, bien sûr. Parfait. Donc ça c'est quoi? Ça, c'est les fleurs de lierre terrestre. Ah, OK. Bon, désolé, Lulu, j'ai dit n'importe quoi. T'as dit n'importe quoi. Vous avez dit... Je dis que c'était de l'ail des ours. C'est la feuille comme la feuille de muguet. La feuille. Ouais. Et les petites fleurs blanches? Ce sont des fleurs de roquette. D'accord. Roquette sauvage. Hein. Hop là. Ah, c'est chouette, ça change. Voilà, c'est du poireau vinaigrette classique. C'est un poireau vinaigrette un peu différent et je trouve qui est vraiment un joli hommage au printemps et encore une fois qui a la vertu d'avoir utilisé entièrement tout le poireau. On peut faire Top Chef. C'est ouais, parfait. Ouais. Trop beau. Je vais aller faire une petite photo, il fait encore jour. Et vous avez des questions, tout va bien? Il y a Sarah qui revient, qui n'avait pas eu le lien de... entre les deux. Oui, bah, c'est pour ça. Sarah, tu es de retour. Je disais que tu es de retour. Oui, je suis de retour, mais je crois que tout le monde est parti, du coup. Non, c'est bon. On est tous là. Mais on a avancé sans toi, du coup. Bah, vous avez bien fait, ouais. J'ai pas encore fini, si ça te rassure. En train de On s'est enregistré, non? Vous pouvez le voir. Vous en êtes où, là, dans votre recette? Oh, c'est bon. T'en es où, Sarah? Moi, mes poireaux sont encore en train de cuire. J'ai mes radicaux qui sont en train de frire. Je suis en train d'éplucher mon œuf. Mais tu peux voir le résultat. Du coup, là, vous allez pouvoir lui faire une petite... Pour torsader le poireau. Pardon. Comment on fait pour torsader le poireau?
Alors, vous allez le tenir dans une main, puis vous le tournez comme ça avec l'autre main, ce qui en même temps les sort et le torsade légèrement. Qui est-ce qu'il y en a un à faire encore chez vous? Moi, j'en ai un, mais alors, il faut que j'essaye de me mettre... Attends, Sarah, j'arrive. Pas sur l'ordinateur. Hein. Ouais, bah, ça va être... J'ai surtout pas sur le sol. Hop. Nick, pour que l'œuf, il s'écrase pas dans notre main. Tiens, l'œuf, il faut... Il faut bien le taper doucement et étaler-le sous un petit filet ou avec un peu d'eau. Ça va être plus facile. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, je vais essuyer mon sol. C'est beau, ça. That's beautiful plate. Ok. Wow. Voilà, là, c'est trop beau. Bon, ces assiettes aussi. L'assiette, elle est formidable pour ça. Hein. On a vraiment... Là, on est dans le petit jardin magnifique, quoi. Hein. Puis le vert et violet, ça va trop bien ensemble. Ouais, c'est parfait. Alison, ça va? Non, je pense que mon œuf va finir dans les vies, mais... Non, c'est pas grave. Si, ce que vous faites, c'est que s'il part un peu en morceaux, vous le mettez quand même et puis vous le recoupez comme ça, le jaune. Regardez, je vais vous montrer... Le jaune va couler un peu, tac, regardez comme ça, sur un œuf un peu cassé, vous voyez, j'ai cassé mon œuf là, et voilà, regardez, c'est ravissant aussi avec un œuf cassé, regardez comme c'est beau. Jusqu'à vous. Donc, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de souci, c'est pas grave si vous l'avez massacré, au contraire, vous avez fait exprès. C'est de l'art. Mais oui, c'est même encore plus, regardez, c'est encore plus joli. Parce qu'on a le beau coulant de l'œuf. C'est vrai que le jaune, c'est beau. Claudia! Je ne peux pas trop la tourner parce que... Attendez, non, je vais tourner l'ordinateur. Baisse la caméra. Ouais, voilà. Attends, c'est l'ordinateur. Alors, allez, on regarde toutes les assiettes. C'est trop mignon. C'est trop joli. Voilà. j'ai pris la meilleure face de mon œuf. Hein. Moi, j'entame le deuxième. Je ne vois pas. Montrez-moi. Ah, attendez. Bah, ça se voit, magnifique. Vous voyez, bah, oui, c'est magnifique. Voilà, c'est génial. Bien faire. Vas-y, remontre encore une fois, Claudia. Sérieux? Ouais, j'ai mal. Oh putain. Ah ouais, c'est super joli. Top. Mais oui. Voilà, c'est magnifique. J'ai le plan de travail qui est... C'était jamais 203. Ah non, c'est bon là. Ah ouais, c'est bon, ça fait 3. Parfait. Ça a l'air trop bon. Bon. Alors, moi, par contre, mes petites fleurs, elles ont un petit peu... pas trop aimé le transport, je pense, mais bon. Ah, elles ont un peu souffert. Ouais. Vous les remettez, vous les trempez 3 secondes. Oui, ça va, vous les trempez 3 secondes et puis vous les remettez au froid dans le réfrigérateur, ouais. elles vont se refaire tout de suite. Parce que je les ai cueillies vraiment à midi, donc elles sont toutes neuves. Génial. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Que vous dire de plus? Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et je ne sais pas comment on termine la masterclass. How do we end that? I just want to say if everyone is finished, if everyone you could show done. Your plate to yeah. the camera, we'll get a nice picture of everything. Yay! Nice little glamour shot. Bien mangé, hein? Enfin, c'est trop beau. Parfait. Ok. Thank you so much. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous de votre gentillesse là, et de votre patience. Et puis, à bientôt. Ouais. Bah, voilà, je sais pas, merci beaucoup. Non, pas. avec plaisir. Hein. Happy Earth Day. And we'll see you soon. Et n'oubliez pas de vous faire un petit café avec le café, là, hein, parce qu'il est formidable. Ah oui, café brillant. OK, bien sûr. Oh, génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye.